Bonsoir à tous et voici les titres de ce journal. Hausse des cas de Covid-19 dans le pays, Kailesh Dagatpal accuse la presse de faire dans la désinformation, de chercher à paniquer la population et de faire le jeu de l'opposition à quelques jours du 1er mai. Le ministre de la Santé confirme qu'il y a une hausse des cas et que le nouveau variant est plus contagieux, même si moins sévère, mais il affirme qu'il n'y aura pas de restrictions sanitaires. Kailesh Dagatpal insiste, le rapport du comité d'enquête sur le décès de 11 patients dialysés ne sera pas rendu public. Accusation de corruption contre le président Soli, le gouvernement des Maldives confirme qu'il n'a pas changé sa position sur les Chagos ainsi que la délimitation maritime que réclamait Maurice. Pour cause d'indisponibilité de son avocat mercredi, l'interrogatoire de Rajesh Ramnarain à l'ICAC se fera le 3 mai. Cet exercice déterminant pour les enquêteurs dans l'affaire Stag Party. ICAC toujours, l'opposition doit réintégrer même de manière temporaire le comité parlementaire de l'ICAC afin de réclamer les informations, affirme Xavier-Luc Duval. Après 22 ans comme clerk de l'Assemblée nationale, Safina Lutton quitte son poste demain. Aux États-Unis, les républicains se divisent sur la question de l'avortement. Le ministre de la Santé a tenu une conférence de presse cet après-midi sur la Covid-19. Son but, rassurer la population que malgré la hausse du nombre de cas, la situation n'est pas alarmante. Toutefois, à un moment dans son intervention, il a évoqué des informations qui ne sont pas correctes, qui sont diffusées ou publiées. À l'heure des questions, il a été invité à donner des précisions sur ce qu'il voulait dire. Là, Kailesh Dagatpal a accusé les médias de faire du sensationnalisme sur la Covid-19 et de vouloir dissuader la population à se rendre au rassemblement à quelques jours du 1er mai. Pourtant, le même ministre a confirmé qu'il y a eu 104 cas de contamination et 2 décès en une semaine. Kailesh Dagatpal a aussi souligné que le nouveau variant d'Omicron est plus contagieux, même si moins sévère. Voici la déclaration ahurissante qu'il a faite en conférence de presse cet après-midi. Aujourd'hui, je trouve certaines presses faire 3 jours avant le 1er mai pour donner une information pareille. Qui faire aujourd'hui ne vous trouve une information pareille, nous tous vous posons une question. Qui nous est là pour gagner? Qui nous fait nous trouver? Est-ce que quand nous donne une information pareille, est-ce qu'il nous met une coute situation au niveau international qui est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il nous demande l'OMS? Est-ce qu'il nous vient faire ça? Mais pour une raison. Tout le monde me croit, d'accord, qu'ils ont dit quand moi-même, je peux causer avec 20 monde, mais qui je peux penser, lors, ce qu'il a pris se dire, et, ben, je te dis à moi, ben, ça, c'est lié avec le 1er mai. Alors, me penser, le 1er mai, qui est l'organisation, qui le gouvernement, le premier ministre, et tout ce ben allié, fin faire, une préparation, ils ont dit, pour mettre ça dans la tête du monde, qui le 1er mai, connaît pour faire du monde croire qu'il pas bizarre rassembler, béli évident. Moi, crois, c'est la mauvaise foi. Devine avec, à moins d'une raison spécifique qui peut-être là, mon envie connaît, si pas au courant, mais pélier ça directement pour 4 jours avant le 1er mai pour venir dire des affaires pareilles. Alors, moi, crois, là, le public, en général, je ne connais pas mes informations qui sont bizarres, tout le monde connaît tes autres conclusions qui sont bizarres. Mais moi, personnellement, c'est tout à fait, c'est un, fin qui tueuse pour amener une panique, pour créer une panique, pour faire une sorte de sensation. Et là, ça qui pour les résultats, c'est quoi? C'est clair qui, déjà, nous tout connaît, à moins qui, certains connaissent plus que nous, nous tout connaît comment l'organisation du 1er mai peut faire. Et là, peut faire le jeu de l'opposition pour montrer qu'il, le 1er mai, pas si bizarre, non? Ou bien le 1er mai, bien montrer, faire le public comprendre qu'il n'y a pas besoin de sortir.
Le ministre Jagadpal en conférence de presse a évoqué le contexte sanitaire avec l'apparition du variant XBB.1.16 sur le territoire. Kailesh Jagadpal a insisté qu'il n'y aura aucune restriction sanitaire. Il a ajouté que le variant XBB.1.16 est certes plus contagieux, mais qu'il est moins sévère. Pour lui, il n'y a aucune raison de paniquer pour le moment et que le ministère évaluera la situation si l'OMS donne de nouvelles directives. Non, bien sûr, non. Le ministère de la Santé, si vous venez de l'avant pour mettre n'importe quelle restriction, en ce moment, c'est le normal, ça. C'est la normalité qui mène variant qui est plus contagieuse et puis qui est moins sévère, l'hypoprésent. L'hiver, une rentrée, c'est quand nous guettons ben virus qui vient pendant l'hiver, l'hiver ben vague, nous guettons une montée des cas, les redescendent et puis un mois, des mois, vous retrouvez un cas pour monter, pour redescendre, pour aller jusqu'à la fin d'octobre, novembre, même jusqu'à décembre ou quand. Alors, c'est une chose normale. Le ministère de la Santé, quand il trouve un cas pour une beaucoup plus sévère, par exemple, ou bien quand, au niveau international, l'OMS pour de nous une directive et nous pour trouver une chose qui ne passait dans les autres pays, bien sûr, nous pour faire lire. Mais là, c'est bien sûr, c'est seulement, c'est créer une panique pour n'en nier et que de peine n'en nier pour faire pareil. Mais en même temps, il est important de nous causer, mais si, aujourd'hui, un dimon qui souffert, peut gagner la grippe, peut gagner la grippe saisonnière, certaines précautions, certaines individuellement, bizarre prend. Chaque dimon, bizarre connaît quand il gagne la grippe, qui bonne précaution, bizarre prend. Si vous connaissez où est la grippe, ou vivre dans la case, ensemble avec ben grand immune, ah ben, bien sûr, quand vous sortez des hauts, ou bien quand vous retournez, vous connaissez comment, ou ghetto, ou même. Alors, il n'y a pas pour, il n'y a pas besoin de n'avoir aucune ben mesure qui pour empêcher d'immune faire qui que soit. Mais, chaque individu, chaque Mauricien, bien qu'on prend son responsabilité. Interrogé sur le rapport du Fact-Finding Committee sur les patients dialysés décédés à l'hôpital de Souillac durant la pandémie en 2021, Kailesh Jagadpal a indiqué que le document ne sera pas rendu public. Il a ajouté que les personnes qui s'opposent à cette décision peuvent toujours prendre le chemin de la justice. Pour lui, chaque personne impliquée dans cette affaire doit prendre ses responsabilités. Alors d'abord, c'est le Fact-Finding Committee qui finit d'une bonne recommandation que le ministère met en place. Et maintenant, le Medical Negligence Standing Committee fait son rapport. Là, le Medical Council, pour appeler chaque ben parent qui est bizarre, les pour redemander, vous êtes pour, et non, nous ne pas gagner accès avec d'une ben information pareille. Moi, mon pensée, ben, l'instance pareille, les autres, vous êtes capables d'une ben rapport qui est bizarre, et que l'autre qui est aussi. Et là, tout si nous pas d'accord, nous servir la voie légale, quand nous capables à le faire ben dimanche, nous, le ministère, tout à fait, pour coopérer, tout ben quelque chose, et pour donner ben quelque chose qui besoin. Maintenant, d'un autre côté, nous besoin rappel, COVID-19, avant ça, nous t'y appelle à faire rappel, qui tu dis, nous besoin faire d'autres vaccins. Ah, ben, d'un côté, nous pas pour faire vaccin, nous pas pour prendre ben une précaution qui besoin, nous rôde dans ben contexte difficile, pour pas les faire, un plaidoyer de une situation qui finit d'arriver, mais zoukina pour bon, pas croire moi mon personne qui pourra propulser pour dire ça, les savants du monde qui impliqué, je peux donner une autre situation. Après moi mon croire qui ben personnel qui impliqué pour donner certaines situations, moi pas pour venir là pour ni défendre ni attaquer personne, mais en même temps quand l'enquête était nous d'accord, moi mon petit peu bien content qui chacun prend ses responsabilités vis-à-vis quand il y a une enquête. C'est à travers un communiqué jeudi que le gouvernement des Maldives a réagi aux allégations de corruption à l'encontre d'Ibrahim Mohamed Soli. Le président de cet archipel est accusé d'avoir touché un pot de vin de 22,5 milliards de roupies de Maurice afin de changer la position de son pays sur le dossier Chagos. Dans le communiqué, le gouvernement maldivien affirme qu'il n'a pas changé son fusil d'épaule concernant la délimitation de la frontière maritime des zones économiques exclusives des Maldives et l'archipel des Chagos.
Le gouvernement de l'archipel avance que selon les lois du pays, le président Soli n'est pas en droit de prendre une telle décision sans avoir consulté son gouvernement au préalable. Le gouvernement des Maldives affirme que sa position est inchangée concernant les Chagos et la délimitation maritime des zones économiques exclusives entre les deux pays. Il dénonce par ailleurs une tentative de l'opposition d'induire le public et la communauté internationale en erreur. Entre-temps, les députés de l'opposition de l'archipel ont lundi, à travers une motion, que tous les échanges entre Maurice et les Maldives soit publié. À Maurice, la Sustainable Tuna Association a affirmé dans un communiqué qu'aucun de ses membres n'est impliqué dans cette affaire d'allégation de pots de vin. Cela après les propos d'Alan Ganou affirmant que certains accusent Maurice d'avoir donné l'argent et d'autres des compagnies de pêche. Jusqu'ici, le Premier ministre mauricien n'a pas réagi à ces allégations. L'interrogatoire de l'ancien président du Sugar Investment Trust, Rajesh Ramnarain, qui devait se tenir mercredi, aura finalement lieu le mercredi 3 mai au siège de la commission anticorruption. Son audition mercredi n'a pas eu lieu due à l'indisponibilité de l'un de ses avocats, Maître Gavin Glover. Même si sa demande d'immunité n'a pas été approuvée par l'ICAC, Rajesh Ramnarain est un élément clé pour les enquêteurs dans l'affaire présumée de pots de vin visant à faciliter l'octroi d'un terrain à bail de 250 arpents en proximité de Grand Bassin. Comité parlementaire de l'ICAC, je pense que l'opposition doit réintégrer le groupe pour réclamer des informations avant Xavier Luc Duval. C'était dans l'émission Radar Les Pépières. Le leader de l'opposition rappelle que dans la private notice question de mardi dernier, le Premier ministre lui a demandé de s'enquérir auprès du comité parlementaire de l'ICAC pour connaître le salaire du directeur général de l'ICAC. Xavier Luc Duval estime ainsi que l'opposition doit réintégrer le comité afin d'avoir les informations nécessaires. Si le comité refuse de les fournir, il va falloir saisir la justice, dit-il. Xavier Luc Duval répond à Michael Jean-Louis. Et non, discussion, pas tout le monde d'accord, moi, j'ai besoin de dire là. Et non, mon pensée, moi, qui, au moins pour quelque temps, nous besoin rerendre dans le comité parlementaire et, à ce moment-là, pose une question qui est nécessaire. Et si pas une réponse, ben, normal la cour. Après 22 ans de carrière dans l'administration parlementaire, la première femme clerc de l'Assemblée nationale, Safina Lutton, quitte son poste ce dimanche 30 avril. Le docteur Avin Boulel parle d'une femme qui a su faire la part des choses et qui ne se laisse pas influencer selon lui. Toutefois, selon Avin Boulel, Safina Lutton a eu à faire face à bien des difficultés durant ces 5 dernières années. Elle a su maintenir le système en dépit de la pression, estime le chef de file du Parti travailliste à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire depuis les derniers 5 ans, les films passent par un moment difficile, vu qu'il y a une personne qui est intransigeante, l'aube à une valeur, et il comprend ce qu'on appelle la démocratie parlementaire, et certainement, il n'y a pas une personne qui voulait se l'influencer. C'est une personne qui a une très bonne relation avec la presse. Ces derniers temps, je suppose, les films cités comme un respondent dans mon cas. Hein. Par exemple, quand moi-même, je me mettais contre le speaker, et il maintenir le système en dépit des pressions qui parfois les mises à subir. Mais bon, avec beaucoup de civilité, avec beaucoup d'appréciation, nous remarquons sur l'occasion que nous en lit. On comprend que, bien sûr, l'idée elle a beaucoup plus de proximité avec la famille. Monsieur est certain, la quotidienne et quand il prend le travail, monsieur est certain qu'il y a tout du monde pour apprécier ses grandes qualités, ses grandes vertus. Incapable de faire voter jeudi 27 avril des textes limitant drastiquement l'accès à l'IVG dans deux États américains conservateurs, les républicains se divisent de plus en plus sur la question très clivante du droit à l'avortement, sujet central avant la présidentielle de 2024. Le sujet est à la fois brandi par les républicains les plus conservateurs et par l'administration du président Joe Biden qui se positionne en défenseur de ce droit. Si les démocrates entendent capitaliser sur ce sujet pour remobiliser leur base électorale, les républicains conservateurs avancent de leur côté pour restreindre l'accès à l'IVG, voire l'interdire après la suppression en juin dernier par la très conservatrice Cour suprême de la garantie constitutionnelle à avorter.
Vladimir Poutine menace d'expulsion les Ukrainiens des régions annexées, une décision brutale. Le président russe Vladimir Poutine a signé jeudi 27 avril un décret menaçant d'expulsion les Ukrainiens des territoires annexés par Moscou. Le décret définit les moyens pour les citoyens des régions de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijja d'obtenir la nationalité russe. Le texte précise ensuite que tous les Ukrainiens qui n'auront pas obtenu de passeport russe d'ici au 1er juillet 2024 seront considérés comme des étrangers et pourront donc être expulsés de chez eux. Cette mesure concerne également les résidents de la Crimée annexée en 2014. Jusqu'ici, il était pourtant possible de conserver un passeport ukrainien en Crimée. La Commission européenne a annoncé vendredi 28 avril avoir conclu un accord avec 5 États de l'UE, dont la Pologne et la Hongrie, pour garantir le transit des céréales ukrainiennes après les interdictions d'importation imposées par plusieurs de ces pays et jugées inacceptables par Bruxelles. L'UE avait suspendu en mai 2022 pour un an les droits de douane sur tous les produits importés d'Ukraine et s'était organisée pour lui permettre d'exporter ses stocks de céréales après la fermeture des itinéraires par la mer Noire à la suite à l'invasion du pays par la Russie en février 2022. Les États de l'UE voisins avaient vu massivement augmenter les arrivées de maïs, blé ou tournesol d'Ukraine, provoquant la saturation des silos et faisant chuter les prix locaux. Voilà, ce sera tout pour ce 20h ce soir. Merci de l'avoir suivi. Tout Mauricien réunit loin de ses lanternes. Dans toute la joie, même dans la peine, il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui ça me dit, ma peine. Sans frayer ni faveur, nous amène où la vérité.